Bonjour et bienvenue, nouvel épisode des Echos du Trottoir. On est aujourd'hui à la fan zone de Plan Palais, c'est la finale de la Coupe du Monde France-Croatie. On va profiter, il y aura plein de supporters, ils seront motivés, alors on va leur poser des questions, comme d'habitude dans nos épisodes des Echos du Trottoir. Voir si peut-être, par hasard, par chance, ils connaissent un peu le Genève Volley, ou alors qu'est-ce qui pourrait leur donner envie de s'intéresser au Genève Volley. On commence avec des supporters, on l'assume, de l'équipe de France. Déjà pour commencer, peut-être qu'on va vous demander, comme c'est la finale, c'est quoi votre pronostic pour aujourd'hui? 3-0, hein, comme en 98. Moi, je vois... Par contre, excuse-moi, on est en Suisse ici, donc c'est 98, merci. Moi, j'ai une prolongation et victoire de la France en prolongation, avec un but de Fekir. Inch'Allah. Pas mal. Moi, j'espère un petit 2-1, ce serait beau, quoi. Gagner, c'est tout, 2-1, ce serait magnifique. Et toi, ton pronostic? 3-0, comme en 98. 98. On la refait. On la refait. 3-0, comment? Comment 98? Toujours pas compris. Bon, toi, tu peux te mettre de côté. C'est quoi votre pronostic pour aujourd'hui? Moi, je dis 1-0 pour la Croatie. Moi, je dirais 2-1. 2-1 pour les Croaties. Alors là, on avait des super supportrices croates, c'est ça? Exactement, ouais. Ah, français, bah. Bon, de toute façon, c'est bleu, blanc, rouge, donc voilà. On sait qui va gagner ce soir, c'est les tricolores. Non. C'est quoi votre pronostic pour aujourd'hui? Alors, moi, je dis 2-0. Non, 3-0, j'avais 203. On se refait la finale de 98. Je sais pas, moi je pense, ouais. De toute façon, même 1-0 ça suffit, il faut juste qu'on gagne en fait. Voilà. Moi un petit 2-1. 2-1 pour la Croatie. Et du coup, là on a la Coupe du Monde, mais nous on vient de la part du Genève Volley, vous connaissez un petit peu? Vous suivez un peu le Genève Volley? Ouais. Et le club Genève Volley, vous connaissez pas? Est-ce que tu as déjà entendu parler du Genève Volley? Alors j'ai déjà entendu justement parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Julien Kern. Et qui m'en a déjà parlé, qui m'a même proposé aussi de venir suivre ça. Il est cool ce gars. Ouais, il est très sympa, très sympa. Et bah écoute, en tout cas c'est quelque chose qui m'intéresse, j'adore faire aussi du volley avec des potes. J'ai jamais eu l'occasion de voir le Genève Volley, mais j'espère que ça va changer d'ailleurs. Est-ce que vous suivez le Genève Volley ou le volley en général? Vous connaissez le Genève Volley jamais? Non, je connais le volley mais je suis pas du tout quoi. Vous habitez la région ou pas en fait? Ouais, à Saint-Gilles. Et vous connaissez pas le Genève Volley? Non. Vous sortez de temps en temps un peu Toi, tu connais un peu? Est-ce que vous connaissez un peu le Genève Volley? Bah moi, non. Personnellement, non, mais... Bah, il y a ma soeur qui y joue, donc oui. Et donc? Je suis maman de Katharina, elle joue dans Genève Volley. Qui joue en U19, c'est ça? Et est-ce que vous êtes déjà venu, peut-être toi moins, mais est-ce que vous êtes déjà venu au match de la première équipe? En Liga, enfin, qui était en Ligue B? Moi, personnellement, non, mais je sais pas, toi. Match de la première équipe. Ah non. Est-ce que ça pourrait vous intéresser peut-être venir à un match? Et surtout la question, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser à venir à un match? Venir regarder un match? Ouais. Ouais, ça pourrait être intéressant de voir le niveau, de comparer avec d'autres sports. T'as dit quoi? Non, je peux pas le dire, il y a ma copine. Donc ok, on le dit après hors caméra. Tu filmeras encore, mais on leur dit pas. Et toi, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? Plutôt le niveau de jeu, ambiance C'est sympa l'ambiance, en plus c'est pas des très grandes salles, s'il y a une grosse ambiance c'est cool, comme le handball. On va voir des fois à Chambéry, il y a un bon club de handball et c'est sympa quand il y a beaucoup d'ambiance. Est-ce que du coup ça t'intéresserait de venir à un match l'année prochaine? Et qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? Est-ce que c'est ambiance, le niveau de jeu, est-ce en Liga? Est-ce que c'est parce que c'est une équipe féminine et puis te connaissant? Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? Alors déjà le volley, je trouve que c'est un des plus beaux sports qui existe parce que c'est fluide. J'aime pas forcément ça, mais il n'y a pas beaucoup de contacts, du coup c'est beaucoup plus fair play comme sport d'une certaine manière. Et vraiment d'aller voir un match de Genève Volley parce que j'ai déjà entendu parler qu'il y a même un petit club de supporters. Et du coup s'il y a de l'ambiance, s'il y a des belles filles, des gars qui font du beau sport, moi je serai là et avec grand plaisir. Et est-ce que l'année prochaine en Liga vous aurez envie de venir? Qui sait, pourquoi pas, hein. Je dis pas non, mais... Et qu'est-ce qui pourrait intéresser de venir? Parce que bah, vous connaissez le Genève Volley, ça joue dedans. Parce que c'est en Liga ou c'est aussi parce qu'il faut qu'il y ait un peu de l'ambiance, de l'animation, des choses comme ça? Je pense les deux vont de soi. Ouais. Un peu de tout, ouais. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui pourrait du coup t'intéresser à découvrir le Genève Volley justement? C'est parce que tu viens avec elle, parce qu'il y aurait de l'ambiance parce que... Ouais, pour l'ambiance, je connais pas trop le volley. Puis bon, c'est des équipes de Genève, donc... Voilà, ça qui pourrait m'intéresser. Et qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de découvrir? Allez les bleus! Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de découvrir, d'aller voir un match de la première équipe? C'est Liga féminine, ambiance, niveau de jeu. L'ambiance. Que l'ambiance? C'est l'ambiance. Donc si on dit qu'il y a de l'ambiance, vous venez. Bon, il y a peut-être moins de klaxons, mais il y a de l'ambiance, quoi. Et toi, ce serait quoi qui te donnerait envie de venir? L'ambiance. Benjamin Pavard, Benjamin Pavard, je crois pas que vous le connaissez. Il sort de nulle part, une frappe de bâtard. On a Benjamin Pavard. Mais en même temps, si vous venez tous et que vous mettez l'ambiance, il y aura de l'ambiance. Donc vous allez venir. Donc on est d'accord. Donc si la France gagne aujourd'hui ou la Croatie, peu importe, vous allez venir. Allez, allez, okay. Allez. Donc on se donne rendez-vous en octobre. Vous connaissez la région de Balexer, la salle Henri Dunant? Bah voilà, c'est Henri Dunant. Bah on compte sur vous en tout cas. On a une petite question, je sais pas si vous parlez un peu croate. Comment on dit volley en croate? Odbojka. Odbojka. Ok, bah merci beaucoup. Comment? Odbojka. Voilà, je parle croate. Donc on se retrouve l'année prochaine à Henri Dunant. J'y serai. Parfait, merci beaucoup Max. Donc on vous voit l'année prochaine au match, quoi. Bah pourquoi pas, écoutez. Ok, on fait un deal. Si la France est championne du monde, vous venez à un match. Ça vous va? Allez, okay. Moi je suis championne. 98 par contre. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps et à bientôt. Et bon match. La 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 la.